Coucou tout le monde, ben voilà, je vous retrouve pour la dernière partie de présentation de mes crayons de couleur. Donc j'ai tout fait à la suite, pratiquement les vidéos. Là il va être 2h du matin, donc je vais faire cette vidéo là et puis je vais aller faire dodo. Donc dans celle-ci j'ai les Arteza, donc c'est une petite comme ça que j'avais acheté. Il y en a 72, je vais dire 72 comme les Français, c'est une habitude en ce moment. Donc c'est pour mettre 72 crayons dedans. Donc voilà comme ça se présente les crayons Arteza. Je vais pas tout vous montrer, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous montre juste un ou deux compartiments. La trousse, je l'avais payé entre 10 et 15 euros il me semble. C'est la seule que j'ai, donc je sais plus au juste le prix. Mais comme d'habitude, si vous désirez une info ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le demander en dessous de la vidéo, il n'y a pas de problème. Donc ici, voici le nuancier des Arteza. Désolée, vous entendez mon lapin qui fait son speech. Donc il y a un peu de tout, des ocres et tout ça, donc c'est ça qui est chouette. Désolée, mais... mon lapin, il a décidé de m'emmerder ce soir. Alors j'ai, donc comme vous avez vu dans la précédente vidéo dans le haut, donc j'ai la pochette ici. Donc c'est entre 20 et 25 euros la pochette, mais vous savez mettre 220 crayons dedans. Donc j'ai des crayons, comme vous avez vu aussi dans le haut, les Derwent Pastel. Donc là, comme c'est plus facile, je peux vous les montrer. Puis il y a les Colorsoft juste ici. Là, pareil, les Colorsoft. Et puis j'ai mis les pits pastel. Donc le nuancier. Yops. Ah oui, j'ai oublié de vous faire le colotest, c'est vrai. Je vais d'abord vous montrer l'essai pour les Arteza. Donc les Arteza sont géniales. Donc je les ai payés en promo. C'était 20 euros, je crois, pour les 60. J'ai accordé en façon version française. Donc pour les 72 j'ai payé 20 euros parce qu'ils étaient en promo. Ils sont bien gras, enfin il y en a certains qui les trouvent très secs, mais moi je les trouve génial. Au début je trouvais qu'ils s'usaient vite, mais en fait pas du tout. Donc le dégradé il est juste là. Bon, après vous voyez pas trop bien parce que la qualité de mon téléphone est pourrie aussi, et puis la luminosité est pourrie tout simplement. Mais il se dégrade super bien. Ensuite. Oups. Pour les pastels, je vais tester celui-ci. Je vais faire des couleurs rapprochées pour pas que je galère après pour remettre. Celui-ci et celui-ci. Voilà, j'ai justement pris celui que mon fils m'a fait justement tomber. Donc les Derwent Pastel, je les ai payés, si je dis pas de bêtises, 80 euros ou 90 euros, je ne sais plus. Après, ce sont de qualité pourrie, donc je vois la différence, c'est vraiment naze. Donc c'est le petit truc que j'ai fait là. Donc ils poudrent plus que les pits, mais ils sont top. Ensuite, les Colorsoft. Ils sont comme les Polychromos. C'est... ça je le sais parce que c'est grâce à la youtubeuse Colorphila que je le sais. Parce que je voulais justement des autres crayons et qu'ils étaient plus ou moins comme les poly. Après comme je vous dis, les tests que je fais sur le papier, c'est sur du papier normal, donc c'est vraiment de la merde. Je vais en même temps ranger mes crayons parce que sinon je vais tout me retrouver. Enfin si j'y arrive à l'envers. Les Colorsoft, je les avais payés, si je m'en rappelle bien,
Bon, mon lapin, il a vraiment décidé de me faire chier ce soir. Je pense que c'est 110 euros, mais je suis pas sûre. Et c'était avec la boîte. Non, c'était moins de 100 euros, je pense. Enfin, c'était en compte 90 et 120 euros, je ne saurais plus vous dire précisément. Et je les avais eu avec la boîte en bois. Donc, du coup, je vous avoue que j'étais quand même contente d'avoir cette boîte. Du coup. Oups. Je les rangerai juste après parce que les pites, ça. Je sais pas. C'est pas le même sens que les Dervent. Les pits sont moins poudreux que les Dervent, mais ils sont top ici. Bon, est-ce que t'as fini, toi? Oh, il est chiant. Donc, c'est celui-là. Ensuite, je vais vous montrer donc le nuancier que je ne vous ai pas montré. Donc ça, c'est les Color Soft. Donc j'ai laissé un espace parce que j'attends que les drawings descendent pour pouvoir les acheter. Parce que j'ai mis les drawings et les Color Soft ensemble parce qu'ils se complètent tous les deux. Les Dervent Pastel. Et je pense que c'est tout... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié les pits. Je vais regarder à ça, j'arrive. Hop, donc les pits. Donc si je vous compare les pits avec les pits, enfin les Arteza, voilà ce que ça donne. Donc il y a moins de couleurs rouge, on dirait orange chez les Faber-Castell. Donc vous voyez que les deux gammes se complètent très bien. Et dans celle-ci donc c'est la même pochette que j'ai montré précédemment. Donc je l'ai payé 20-25 euros. Et là j'ai les Polychromos, donc ça tout le monde les connaît. Donc je vais vous montrer le petit test, mais bon, ce qui est dommage c'est qu'on voit pas grand chose quand je vous montre sur la feuille parce que la qualité papier n'est pas top. C'est le soir et il fait chier son monde celui-là. Après j'ai pas pris des couleurs qui s'éloignent, mais bon. Et les Polychromos donc sont moins gras que les Prismacolor, mais c'est mes chouchous, c'est les premiers que j'ai eu avant les Prisma et je les adore. Donc à l'époque j'avais pris la boîte de 24 et après je les ai achetés à l'unité, donc ça m'a coûté beaucoup plus cher que si j'avais pris la boîte complète, mais à défaut quand on n'a pas les moyens, ben on fait comme on peut. Et ensuite j'ai, bon ici c'est des doublons. Donc ici j'ai les Polycolor de Coinor. Donc il y a la boîte de 72, puis il y a la boîte de 24 et puis il y a la boîte, deux boîtes de 12 je crois. Et pour tout ça j'ai payé à peu près 100 euros sur Amazon. Donc je ne saurais pas vous dire de quelle gamme ils se rapprochent, mais moi je les adore. Ils sont géniaux. Ils se mélangent bien. Je les trouve pas trop secs. Enfin, moi je les aime bien. Après, il y a des gens qui ne les aiment pas. Mais moi je les aime bien. Voilà. Le petit test ici. Bon, je suis désolée, mais pour les tests, vous voyez pas grand chose. Si vous voulez d'autres tests par la suite, n'hésitez pas à le dire sous la vidéo, je referai, il n'y a pas de problème. Si vous voulez voir une certaine gamme de crayons un peu plus en détail, ben, n'hésitez pas à le dire en dessous de la vidéo et je le ferai sans souci.
Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et je vous dis à très vite.